Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi aujourd'hui. Nous sommes le 2 mars et c'est la reprise de l'école pour les enfants. Donc ce matin, on s'est levé à 7h. On a lu les écritures en famille, on a pris notre petit déjeuner. Les enfants se sont habillés, ils ont fait leur lit. Et là, ils sont descendus regarder un petit peu la télé avant de partir. Du coup, moi j'en profite pour faire un peu de rangement par-ci, par-là. J'ai du linge, j'en ai plié, j'en ai rangé déjà. J'ai été ramasser 3-4 bricoles dans les chambres, j'ai ouvert les volets. J'ai nettoyé ma vasque de salle, enfin mon lavabo, c'est pas une vasque. J'ai nettoyé mon lavabo de salle de bain. En bas, j'ai débarrassé la table, la cuisine est rangée, de façon à pouvoir attaquer la couture dès que je vais revenir de l'école. Alors, en fait, ce matin, je ne sais pas encore si je vais faire de la couture ou si je vais me pencher sur le site internet, parce que ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. Que ces derniers temps, comme j'ai refait des petites créations, j'ai refait des photos, du coup spécialement pour les mettre sur le site. Donc je sais pas, il faut que je voie. Il faut que j'appelle ma maman aussi parce que c'est son anniversaire de mariage, enfin, c'est leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Et qu'en plus on a oublié de l'appeler hier pour la fête des grands-mères, je suis dégoûtée. On en a parlé je ne sais combien de fois dans la journée. Et en fait, comme on a réalisé hier que les enfants, enfin les enfants, Elsa avait fait ses leçons, mais Comme et Adam ne les avaient pas fait, et donc du coup, il fallait qu'on se penche dessus. Donc, comme on a tilté ça assez tard, du coup, on s'est occupé des leçons, et puis après, en fait, on a enchaîné avec notre goûter dînatoire, puisqu'on le dimanche, en fait, notre repas du soir et notre goûter sont le même repas. On le prend du coup un peu plus tard que le goûter, puisqu'habituellement on goûte à 16h, là on prend le goûter dînatoire entre 17h30 et 18h, et du coup on ne mange pas le soir, et donc, enfin on mange pas, si on a mangé, puisqu'en fait on fait un goûter beaucoup plus conséquent que d'habitude, qu'un simple goûter quotidien. Et donc, du coup après on a enchaîné la douche, on a fait nos études religieuses. Normalement pour la semaine qui vient, en fait on les a faites hier, en tout cas on les a commencées. Et du coup, habituellement on les fait rarement, on les fait jamais le dimanche d'habitude. Et là pour le coup, tout était fait. Enfin, on a réussi à tout faire hier soir, sauf que du coup on a oublié d'appeler ma mère. Donc c'était compliqué. Hier soir j'étais au taquet, je sais pas si vous avez vu ma story sur Instagram, mais franchement à 8h20, tout était fait. C'est-à-dire le ménage, le linge. Les enfants étaient au lit, tout était fait, les vêtements étaient prêts pour ce matin. J'avais tout géré à 8h20, quoi. Donc j'étais très contente de moi, hein, autant vous le dire. Et ce matin, du coup, ça porte ses fruits parce que là, j'ai quasiment rien à faire ce matin. Donc, et tout ce que j'avais à faire, du coup, je l'ai déjà fait. Donc je vais pouvoir m'atteler directement à la couture dès que je vais rentrer de l'école. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc là, je m'en vais dire aux enfants de mettre leurs chaussures. Et puis on va se préparer tout doucement pour partir. Il est encore un petit peu tôt pour partir, mais le temps qu'ils se décident à mettre leurs chaussures, qu'ils les mettent réellement, etc., etc., du coup, il nous faut un petit peu de temps pour ça. Donc c'est parti. Je vais les appeler, ça va déchanter là, je pense. Bon, il est 9h30 et je viens de rentrer. Les enfants, ça s'est très bien passé pour le retour à l'école. Bon, évidemment, ce matin au petit-déj, il y a Adam qui faisait des siennes à me dire qu'il n'avait pas envie d'aller à l'école. Alors, autant vous dire que c'est pas un scoop, hein, puisque Adam et l'école, c'est toujours toute une histoire. Et du coup, j'ai emmené Marceau. Et Marceau, lui, bizarrement, hein, ce matin, c'était difficile. Il a eu besoin de son doudou et tout ça. Habituellement, ça se passe super bien. Il est toujours très content d'aller à l'école. Donc, bon, on verra. Mais je sais pas. C'était surprenant. Bon, après, une fois qu'il a eu son doudou dans les bras, ça a été nickel. Mais du coup, après, moi, je suis rentrée. Enfin, avec Laura, en fait, on fait la route ensemble. Je retrouve une aiguille par terre. On fait la route ensemble et donc du coup, comme on discutait, elle m'a proposé d'aller prendre une infusion avec elle, donc je me suis octroyée. Comme de base dans mon organisation, j'ai prévu comme heure de démarrage de travail, 9h30. Du coup, je me suis dit, ok, je vais prendre une infusion, mais jusqu'à 9h30, pas plus. Et du coup, voilà, il est 9h30, je suis rentrée et donc je commence à travailler. Je viens de préparer mes tissus et je vais attaquer pour faire des lingettes retournées ce matin. Donc c'est parti pour 10 lingettes retournées.
Bon, je vous reprends, il est 11h et j'ai terminé mes lingettes. Voilà, je les trouve pas jolies. je les trouve pas jolies parce que j'aime pas les lingettes retournées. Je confirme mon idée. Je sais pas. J'ai beau toutes les regarder. Déjà, elles ont toutes la même forme, elles sont pas carrées. Déjà. Elles ont, tu vois, en fait, ça oblige à tirer les coins, je trouve, pour les coudre, et du coup, ça fait pas un vrai carré. Enfin, je sais pas. Il y a celle-là qui est à peu près carrée, mais honnêtement, je suis vraiment pas convaincue par le résultat. Enfin, moi perso, j'achèterais pas ça parce que je trouve pas ça joli. Après, c'est du travail propre, hein. Les coutures sont propres, etc. Mais je veux dire, quand je dis j'achèterai pas ça, c'est que esthétiquement ça ne me plaît pas l'effet cousu. Je sais pas, non, j'y arrive pas. Donc bon, c'est pas grave, chacun ses goûts. J'ai envie de dire, il en faut pour tout le monde. Du coup, bah je vais les prendre en photo et puis on va les ajouter sur le site internet. Donc là, il est 11h. Je pense que je vais me mettre sur mon site internet. Parce qu'il a pas beaucoup avancé depuis pas mal de temps, et j'y ai pas vraiment retouché en fait, et il va être temps qu'il aboutisse parce que je pense que je vais pas tarder à recevoir mes je vais pas tarder à recevoir mes documents officiels, et dès que j'ai mes documents officiels, autant vous dire que je vais pas attendre. Enfin, du coup, je vous ai posé, effectivement, je vais pas attendre d'avoir terminer mon site internet, d'avoir ouvert ma page Facebook, etc. Dès que j'ai mes papiers, j'ouvre le carnet de commandes et j'attaquerai, hein, puisque de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, je peux commencer à travailler, donc j'y vais. Du coup, je sais même plus sur quoi je dois aller. Il faut que je reprenne tout mon site internet, il faut que je revoie les... Ah ben, je l'ai enregistré, c'est parfait. Je suis prévoyante, j'adore. Il faut que je reprenne tout le site. En fait, je me demande même si je vais pas être obligée d'appeler pour être sûre que je suis bien sur un site marchand, parce que en fait, je ne sais pas. Mais j'ai eu un doute la dernière fois. Je me suis demandé si j'étais vraiment sur un site marchand, je sais pas, je trouvais ça étrange, la conception, je sais pas, c'était étrange. Je suis trop contente, en fait. J'ai été interrompue, j'étais en train, sur l'ordinateur, de faire mon site internet. Alors, je vous pose, parce que du coup, je vais avoir quelque chose à vous montrer. Je viens de recevoir ma box Lucky Hero. Je sais plus si je vous en avais parlé. Peut-être que oui, peut-être que je vais me répéter. En fait, la semaine dernière, j'ai voulu essayer la box Lucky Hero. Quand j'ai voulu la valider, ça m'a pris la validation impeccable. Sauf que j'ai entré mon numéro de carte bleue, etc. Bien que il y avait rien de débité pour l'instant. Et en fait, j'ai reçu un mail dans la foulée me disant que du coup ma commande était annulée parce que ils prenaient pas les cartes à électrons. Donc c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Je me suis dit bon bah tant pis, hein, on oublie Lucky Hero. Sauf que le lendemain j'ai reçu un mail me disant votre commande est prête à être expédiée, etc. Et voilà, elle vient d'arriver en fait. Donc je pense que finalement ils ont accepté ma carte. Et du coup je suis très contente. Donc là je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, je suis trop contente. Moi qui, en fait, j'ai plus le temps de faire les magasins parce que j'ai d'autres priorités. Du coup, oh là là, j'adore, ils m'ont mis une blouse. Oh, c'est bien parce qu'en fait, il y a tout plein de... On va faire les choses dans l'ordre. Hein. Je vous montre d'abord la petite paperasse. En fait, je vais vous le présenter comme je l'ai. Je trouve ça. Donc là, vous avez en fait les fiches avec les vêtements qui sont présents dans le colis. Alors, je pense qu'il n'y a pas tous les vêtements, hein, évidemment, mais il y a une pièce. En fait, sur chaque fiche, il y a une pièce que j'ai dans mon colis. Et en gros, ça nous montre comment les utiliser, en fait. Et ben, franchement, je suis super contente. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont mis dedans. Donc là, j'ai... j'ai un bon de parrainage. En recommandant à mes amis, elles obtiendront 10 euros de réduction
Et moi, je gagnerai 10 euros de crédit sur mon compte Loukiero. Donc, je vous partagerai tout ça après. Ensuite, la facture. Attention les yeux, il y en a pour 155 euros. Donc, est-ce que je vais tout garder? Je ne sais pas. Alors, j'ai dedans un cardigan, un sweat, un jean, un t-shirt et un deuxième jean. Alors, le deuxième jean, il faut savoir qu'il est quand même à 79 euros. Et concrètement, les jeans, c'est pas ceux dont j'ai le plus besoin. C'est plutôt des hauts dont j'ai besoin. Je suis déçue, j'espérais qu'il y ait au moins une robe. Mais non, il n'y a pas de robe. Mais c'est pas grave. Je suis contente quand même. Vos articles ont été choisis par Lucie. Donc voilà, la facture. Je suis contente. Je suis très, très, très contente. J'ai trop hâte. Alors, premier colis, c'est super bien emballé. Premier colis. En fait, j'aurais pas dû regarder la facture, j'aurais eu la surprise de ce qu'il y avait dans les colis. Alors, c'est une tenue complète. Donc, un jean avec une blouse. Ah, que je trouve sympa. Ah, évidemment, je vais essayer et vous montrer en réel. Déjà, les jeans, je sais que je les garderai pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est grand. Mais bon, après, j'ai pas trop le gabarit de mon physique. C'est du L, donc c'est pas trop grand. Donc, une petite blouse. Le motif, c'est celui-ci. Perso, j'aime beaucoup. En plus, c'est du manche courte, donc c'est pour la saison à venir. C'est très bien. Bah, du coup, il y a un jean. Hein. Je vais l'essayer quand même pour déjà pour voir la qualité. C'est un jean de la marque Wrangler. Ah ouais. Je vais l'essayer par curiosité. Je vais voir ce que ça donne, mais je pense déjà que je ne le garderai pas, puisque parce que déjà j'en ai pas besoin. Alors ensuite, nous avons un pantalon rose. C'est pas du tout les couleurs que je porte habituellement. Alors comment vous dire? Bah, je vais l'essayer, n'est-ce pas? Mais c'est pas du tout les couleurs que je porte habituellement. Mais après, c'était un peu le but aussi de commander chez Loukiero. C'était aussi de pouvoir tester des nouvelles choses et puis de voir un petit peu. Alors le pull, honnêtement, il est très joli. Je recule pour vous le montrer. Il est ample et très joli. Et là, j'ai un gilet. Waouh, j'adore la matière. Il est d'une douceur. Mon Dieu. Et c'est un gilet tout simple, hein, classique, pour mettre avec la blouse, j'imagine. Et moi, j'en ai pas des gilets comme ça. J'en ai un qui est bleu canard et qui, pour être très honnête, arrive en fin de vie. Donc là, le gilet, il est à 26,99. Et voilà, on a fait le tour de la box. Donc, je m'attendais à un peu plus de choix, hein, mais pas deux pantalons. Enfin, j'avoue être assez déçue par les pantalons. Je vous donne pas envie spécialement de pantalon. Maintenant, voilà, hein, à chaque fois, il y aura des choses différentes. Mais en tout cas, la qualité, j'ai envie de dire, est très bonne. Le gilet, je suis fan. Et je pense qu'en fait, je vais certainement garder le gilet et la petite blouse. Et je vais renvoyer le reste parce que des pulls, ben, j'en ai. Et puis les jeans, j'en ai pas besoin, je dois en avoir au moins 4. Là, c'était la première. Et bon, je suis contente de la qualité. J'ai quand même deux articles qui me plaisent, donc je vais pas me plaindre. Non, dans l'ensemble, je suis contente. Donc, si vous voulez tester, vous me direz, je peux vous parrainer. Du coup, vous aurez 10 euros. Je pense que ça doit fonctionner avec mon adresse mail. Il faudra que je vérifie, mais... je sais pas. J'ai pas regardé sur la carte. Il faudrait que je regarde. Entrez dans la rubrique recommander et gagner dans votre espace. Hein, partagez votre code privé. Ah ben non, j'aurai un code promo. Eh ben, c'est ce que je vais faire parce que je suis contente. Ouais, je vais vous partager mon code promo du coup dans la barre d'infos. La vidéo. Bon, je vais me remettre un peu sur mon ordi et puis non. En fait, il va être l'heure que je parte chercher les enfants, là, puisque mon alarme a sonné une première fois. Donc, je vais aller voir ce qu'on va manger ce midi. Et puis, ben, je vais commencer à préparer. Et puis après, je vais aller chercher les gars à l'école. Voilà. Donc, voilà, premier look. Donc, première tenue, pour le coup. Donc, j'ai le gilet avec la petite tunique dont je parlais, que j'aime bien. En fait, elle est vraiment bien. Je peux zoomer ? Le jean... Honnêtement, t'as pas besoin de zoomer, non? Tu montres juste la tenue entière.
Et puis, j'ai Com qui filme pour moi, hein, mon caméraman du jour. C'est mon super monté. Et voilà, le jean, c'est le Wrangler. C'est celui qui coûte 79,95. Mais en fait, je le trouve super bien. C'est la première fois que je mets un jean à cette hauteur de taille. D'habitude, je mets des jeans qui m'arrivent un peu plus ici, en fait. Et ça couvre vraiment le ventre. Et finalement, je trouve que même si mon bas-ventre est gros, et ben en fait, ça ne me choque pas. Donc, je suis contente. J'aime bien cette tenue. Maintenant, est-ce que je vais tout garder? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien. Donc, je vais me changer, je passe la deuxième et je vous montre. Donc voilà, deuxième tenue. Alors, pour le coup, non, je suis pas convaincue du tout. Bah, déjà, trop de rose tue le rose, c'est mort pour moi. Le bas du pantalon frangé, je sais pas, s'il avait été plus court peut-être, et plus serré au niveau d'ici, mais autrement, non, je suis pas du tout emballée. Le pull, il est joli, mais non, en fait, ça me plaît pas des masses. Donc, bah, je me dis qu'en fait, je vais peut-être garder l'autre tenue. Et puis, je vais voir. Mais c'est vrai que l'autre tenue me plaît beaucoup plus. Donc, je vais peut-être garder l'autre tenue. Ce pantalon-là, en fait, c'est vraiment une taille haute. Hein, il m'arrive vraiment là, contrairement à l'autre qui m'arrivait ici. Il me va bien, en soi. Hein, c'est des produits de qualité, j'aime beaucoup. Mais par contre, non, pour le coup, ce style-là, c'est pas moi. Donc, ça ne me correspond pas, donc je vais les renvoyer. Après, à voir, est-ce que je garde le jean, la blouse et le gilet bleu marine, j'avais prévu de garder déjà. Est-ce que je vais garder le jean Wrangler, je ne sais pas. On va voir, mais en tout cas, celle-ci, c'est sûr, je garde pas. Bon, il est 15h30, je suis allée prendre ma douche, hein. Comme vous le voyez, les retours des racines. Du coup, je vais aller là me sécher les cheveux. J'ai préparé un flan pour les enfants, pour le goûter. Là, il est en train de refroidir dans le garage. Et puis, ben voilà, là, je vais aller faire mon brushing. Ce soir, il faudrait que je fasse des photos de mes tenues Look Hero. En fait, je me suis carrément plantée. J'ai pas du tout regardé. Quand j'ai ouvert la boîte, en fait, il y avait tout un petit kit d'accompagnement de paperasse, si je puis dire. Et dedans, il y avait un mot, en fait, un petit mot de la personal shopper. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'étais tellement contente que j'ai tout ouvert en vrac et j'ai pas du tout regardé qu'est-ce qui était avec quoi. Et en fait, ben, j'avais un mot du personal shopper, enfin de là, parce qu'elle s'appelle Lucie. Et du coup, elle me disait que en fait, la tunique bleue que j'ai essayée, elle va pas du tout avec le jean, mais avec le pantalon rose. Et le pantalon rose va, lui, le jean bleu va, lui, avec le pull rose. Donc, rien à voir. Donc, du coup, je vais réessayer les tenues. Et comme je voulais faire des photos, ça tombe bien. Bon, bah, je vous reprends. Il est 17h05 et je suis dégoûtée parce qu'en fait, le flan, hein, il a beaucoup de mal à refroidir. Du coup, on n'a pas goûté. Donc les gars ont fait leur leçon, du coup, comme ça au moins c'est fait. Et puis, j'arrête pas d'y aller, là j'ai mis un pain de glace pour que ça refroidisse plus vite. En fait, j'ai été bête, j'aurais dû le sortir du moule. Je sais pas pourquoi le poser en fait. Je vais le poser sur le pain de glace. Bon ben, je l'ai sorti du plat, je l'ai mis sur un plat froid et j'ai mis un pain de glace en dessous. J'espère qu'il va refroidir parce qu'en fait le problème, le manger chaud ça me dérange pas parce que c'est bon. Mais ce qui me dérange, c'est que en fait, il va être tout, peut-être un peu trop mou et tout ça. Donc, j'aimerais bien qu'il raffermisse un petit peu avec le froid. Donc, on va voir, on va attendre encore un quart d'heure. Et puis, si dans un quart d'heure, c'est toujours pas froid, bah tant pis, on mangera chaud. Et puis, c'est tout. Donc, je vous ai pas dit, ce matin, le bus d'Elsa n'est pas passé. On part à l'école avec les petits. Donc, nous, on part de la maison, il est 30, puisque l'école, elle ouvre à 35. Et sur la route, Laura, elle me dit... Elle me fait pas... Et juste, j'entends le bas et je me dis quoi? Et là, elle me fait... Ben, c'est pour toi, ça, en fait, je pense. Et là, je me dis, de quoi elle parle? Et en fait, je regarde en face, sur le trottoir d'en face, il y avait Elsa qui revenait. Et je me dis, mais ouais, mais attends, il est 8h30. Et donc, elle s'approche de moi et elle me dit, j'ai pas raté mon bus, hein. Non, c'est pour ça que t'es là, j'imagine. Et là, elle me fait non, mais c'est parce que en fait, il est pas venu. Ok, d'accord. Bon, après, j'ai souvenir que moi, au collège, c'était pareil. Hein, donc, par contre, on a eu du bol, c'est que en fait, elle a une copine, du coup,
qui prend le même bus qu'elle. Et en fait, cette copine, sa maman l'a emmenée. Et en fait, quand on revenait de l'école avec Laura, justement, elle partait en fait. Je cache la petite tache blanche que j'avais. Du coup, elle partait en fait emmener sa fille au collège. Elle m'a proposé si je voulais qu'elle emmenait, enfin si je voulais qu'elle emmène Elsa. J'ai dit ouais, carrément, c'est super gentil. Donc du coup, elle a emmené Elsa. Donc je l'ai remerciée quand je l'ai revue à l'école ce midi parce que c'est vraiment gentil. On se connaît pas, donc elle n'était pas obligée. C'est que par malala, elle a essayé de me mordre. Mais t'as qu'à arrêter de la porter. J'arrête pas de te le dire. Mais je vais juste te faire un bisou. Bah oui, mais à chaque fois tu la portes. Mais je l'ai pas portée. Non, bah non. Là, je l'ai pas portée quand je lui ai fait un bisou. Bah elle avait pas envie. Elle a envie qu'on la laisse tranquille. Elle a changé de comportement, Père Nel. Je la soupçonne d'avoir le ventre plein. Ici. Quoi? Je suis pas en train de s'animer ici. Bah non. Tu m'as demandé pour en mettre un dans la cuisine, je t'ai dit oui. Mais toi, il a envie de s'animer. Ouais, c'est vrai, il a changé. Bah en même temps, c'était fini, j'ai entendu le générique. Mais. Donc c'est chacun son tour. Après l'épisode d'avant, t'en mettras un autre. Moi, je veux mettre. Après, il en remettra un et après, ce sera fini. Moi, je veux mettre celui. Celui quand. Quand Kelly, elle est avec la pâte patrouille. D'accord. Je vais remettre celui qui. Eh ben, tu la mettras quand. Enfin, tu le mettras. Quand Adam, il aura fini son épisode. Oui. Mais par contre. Après celui-là, Adam, il en remettra un autre et après, ce sera terminé. Oh. Eh oui. On va passer la télé, la soirée devant la télé. Donc là, il y a Com qui est en train de faire ses tables de multiplication sur la tablette parce que c'est marqué comment c'était marqué ? Être incollable. Incollable sur les tables de multiplication. Donc là, pour lui, c'est soirée tablette. Table, 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 table. Je m'étonne. Bon, ça va, tu les connais pas trop mal, j'ai l'impression. Même sur la tablette, ça le décourage. Bon, je vous reprends vite fait. Je suis toute rouge parce qu'en fait, ça fait un moment que j'étais appuyée comme ça puisque j'étais en train de monter le vlog. Du coup, j'ai monté la totalité du vlog jusqu'à maintenant. Et là, en fait, il est 21h et je voulais regarder Marié au premier regard et ça commence dans un quart d'heure à peine. Et donc, du coup, il faut que je me dépêche de monter cette séquence. Au pire, je la finirai après, mais ce serait dommage. Du coup, je me dépêche parce qu'il est 21h08 et je pense que Marié au premier regard, ça va commencer. Demain matin, je passe, à mon avis, une bonne partie de la matinée chez Laura puisqu'on doit retravailler mon logo. Puisque les choses avancent, hein, tout s'officialise un petit peu. Le site internet, j'ai pas mal avancé aujourd'hui, je suis très contente. J'ai réussi à créer le compte Instagram. Donc, du coup, le compte de la boutique est créé, mais il n'est pas encore... Enfin, après, peut-être que si vous tapez la caverne d'Ali Maga, vous allez peut-être le trouver, mais il est vide pour l'instant parce que j'attends en fait que tout soit officialisé pour lancer ma première publication où j'annoncerai l'ouverture de la boutique, le pourquoi de ce projet, etc. Après, en fait, c'est bête parce que si vous voulez vous abonner à la page, vous pouvez vous abonner à la page. Comme ça, vous verrez quand la publication, enfin si vous êtes intéressé, en tout cas, vous verrez la publication quand je la mettrai en ligne pour annoncer l'ouverture de la boutique. C'est vrai que ça paraît un petit peu logique. Il va falloir que je fasse une annonce. Hein. Pour l'instant, j'en ai absolument pas parlé sur Instagram de ma boutique. J'en parle que sur YouTube et du coup, ça devient officiel. Donc, il faut que j'avance un petit peu. Là, jeudi, vendredi, ça va être intensément couture, je pense, puisque je dois finir mon éponge. Enfin, au final, ce matin, j'ai fait que mes lingettes, en fait. Et après, je me suis mise sur le site internet. Donc, cet après-midi, pareil, site internet, profil Instagram. Et puis, comme j'ai fait de la pâtisserie aussi, du coup, ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai été prendre ma douche. J'ai pas fait les photos, mais du coup, j'ai fait le brushing, machin. Donc, j'ai perdu du temps cet après-midi. Demain matin, du coup, on va bosser sur le logo. Donc, j'aurai encore pas le temps de le faire. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog et je vous souhaite du coup une excellente journée. Ciao, ciao.